Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une recette de bolognaise à la viande de bœuf accompagnée de spaghetti. Pour commencer, nous allons laver nos tomates, comme vous voyez ici. Nous mettons de l'eau à l'intérieur et nous posons nos tomates au feu. Nous allons bouillir nos tomates. C'est À parti. côté, nous sommes en train de découper nos poivrons et oignons, ainsi que notre ail. Nous allons émincer tous ces condiments, sans oublier les condiments verts, bien sûr. Mettons du sel, du cube et un peu de poivre blanc écrasé dans notre viande. Ajoutons nos condiments verts congelés. Vous avez ici du poireau et du persil et un peu de céleri. Nous allons râper une carotte, une petite carotte dans notre viande. Ça va donner le côté tendre à notre boulette. Cassons notre œuf à l'intérieur. Nous allons ajouter notre ail émincé ainsi que nos oignons. Maintenant, nous allons mélanger. Vous pouvez le faire avec une louche, mais moi, je préfère le faire à la main. Nous comptons ici environ 1 kg de viande hachée. Mettre de la chapelure. Comme nous n'avons pas de chapelure, nous allons prendre un bout de pain comme ceci, congelé, et on va râper pour obtenir notre chapelure. Mais pour ceux qui ont de la chapelure, il y a, après, ils n'ont qu'à mettre 3 cuillères de chapelure. On va ajouter 2 pincées d'herbes de province, 2 pincées de paprika. On peut en mettre jusqu'à 3 ou 4, ça dépend. On va mélanger encore. À ce niveau, on peut ajouter 1 cuillère à soupe d'huile de cuisson. Mais nous, pour moi, je préfère la faire comme ceci. Formons nos boulettes et on dépose directement sur une poêle contenant un peu d'huile. Arrangez-vous à ce que, à oindre d'abord votre poêle avec l'huile pour que vos boulettes ne collent pas. Nous avons terminé, nous allons poser nos boulettes au feu. Nous avons mis un peu d'eau dans notre boulette en rinçant le fond de notre assiette et nous avons emballé notre poêle de papier à l'huile, comme vous voyez. On va poser à feu moyen. Notre tomate a bouilli pendant environ 10 minutes. Vous voyez comment la peau se détache déjà. Nous allons couper le feu maintenant. Nous allons enlever la peau sur nos tomates et mettre dans un mixeur. Faites-le quand les tomates sont encore chaudes. C'est vrai que ça brûle un peu, mais on fait avec. Vous pouvez avoir de l'eau froide à côté pour tremper les mains de temps en temps. Nous mixons bien notre tomate, comme vous voyez ici. Nos boulettes ont
cuit, comme vous voyez là. Nous allons maintenant les passer légèrement dans de l'huile afin de les colorer un peu. De ce côté, nous avons mis notre marmite pour notre sauce. Nous allons verser. Émincez finement vos oignons, s'il vous plaît. Nous ajoutons nos poivrons et notre ail encore. On ajoute un peu d'ail, mélangeons. De l'autre côté, nos boulettes sont en train de dorer légèrement. On les retire de l'huile et on vous aide. On va verser notre tomate. Ajoutons un peu de ginger écrasé. Si vous voulez, vous pouvez râper votre ginger. Utilisez un grattoir fin. Vous allez voir cette sensation quand vous allez manger de mordre dessus. Vraiment, ça va vous faire plaisir. Notre tomate a bien mijoté. Nous ajoutons notre persil émincé. Un peu de poivre blanc. À ce niveau, si vous voulez encore, vous pouvez acheter un peu de paprika. Ça dépend de vous. Mélangeons. Ajoutez et rectifiez l'assaisonnement si besoin. Si besoin est. Alors ajoutez. Un demi cube Maggi crevette. Laissons nos boulettes dans notre sauce. Laissons encore mijoter quelques minutes et ça sera prêt. Notre bolognaise est prête. Nous allons passer à la cuisson des spaghettis et déguster. Notre eau a bouilli, nous allons ajouter un peu de sel et un filet d'huile et verser nos spaghettis. Déjà avec l'huile que nous avons mis, ça va empêcher que les pâtes collent. Les pâtes sont prêtes, nous allons les retirer du feu et directement les verser dans une passoire. Notre repas est servi, nous allons passer à la dégustation. Rosalie, en quelle langue vous pouvez faire? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est parfait. J'espère que notre recette vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. À la prochaine pour une toute autre vidéo. Merci.